Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à Kyoto, donc on est arrivé dans notre appart, je vous le fais visiter. Petite télé au calme. Ça, c'est la salle de bain avec les petites serviettes, le lavabo, le miroir. J'ai pas fini. C'est la cuisine, petit jardin avec la plus belle. Pas du tout. Voilà, la machin. Alors Raphaël avait le choix, mais il a préféré dormir dans sa petite pièce à lui tout seul. Attention. Coucou garçon. T'es dans ton placard? Ouais. Voilà, voilà. Bonne nuit. Arnaud avec Seb, on dort dans le salon. On a étalé nos futons. Voilà. Allez. Oh doudou. Alors au Japon, je pense que vous en avez entendu parler. Ils ont des toilettes très particulières. Alors déjà, il y a un voyant ici pour ouvrir et rabattre le battant et pour tirer la chasse automatiquement. Et attention, le boîtier de commande qui connaît bien certains temps à comprendre, que tout le monde ne veut pas utiliser. Donc il y a pour la petite commission, la grosse commission, pour nettoyer les fesses, pour les sécher, pour augmenter, diminuer la température, enfin c'est un mini ordinateur pour toilettes. Voilà, voilà. Coucou tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui, une journée un peu particulière parce qu'on a eu un transport un peu compliqué entre Takayama et Kyoto. Donc on est arrivé à Kyoto, il y avait un festival avec énormément de monde, donc ça a été compliqué dans les transports en commun, très compliqué dans la ville avec plein de monde. Donc aujourd'hui on n'a pas visité grand chose, on a surtout voilà, galéré un peu. On a trouvé l'appartement qu'on avait réservé, donc on s'est un peu posé l'appartement, on est juste sorti manger et balader rapide. Donc il n'y aura pas de vidéo très intéressante aujourd'hui. Mais demain on va se rattraper, parce que demain on va... Tu te souviens ? On va à Nara. Et à Nara, on espère voir des daims en liberté et un beau parc et de beaux paysages et tout ça. Voilà. À demain tout le monde. À demain.